Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Flying Frolic pour ce premier tutoriel sur le Super Constellation développé par Redwing. Aujourd'hui nous aborderons le cockpit. Nous passerons sur chaque instrument, ceci afin de vous permettre de pouvoir déjà prendre du plaisir sur cet avion et suivre les tutoriels suivants qui prendront de la mise en route jusqu'à l'atterrissage. Et je rentrerai parfois un peu plus dans les détails pour les plus curieux d'entre vous. Bon tutoriel! Et donc bienvenue à bord du cockpit du Super Constellation. Donc pour débuter, on va partir de la gauche du courant de bord. Donc ici vous voyez la planchette. Donc il y a 4 onglets qui vous permettront de gérer différentes choses à l'extérieur, à l'intérieur de l'avion, les pannes, le pétrole, mais on verra ça dans un tutoriel spécifiquement dédié à la planchette. En dessous, bon, pour le moment les affichages ne sont pas corrects. Et ici, il y aura les pressions normales et pressions secours des systèmes de freinage de l'avion. Ça, c'est à venir dans une version ultérieure du Super Constellation. Ensuite, le panneau à gauche du commande de bord. Donc, il s'agit d'un avion qui, avant, était un avion militaire, l'avion Super Constellation Breitling. Donc, il y avait un système pour lancer des leurres. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Redwing prévoit une petite surprise avec ça dans une version ultérieure à venir. Un système pour débrayer l'autopilote, ça c'est encore un système qui contrôle l'autopilote. Ensuite à droite le Zero Reader qui est l'ancêtre de l'ILS qu'on va retrouver sur l'avant du tableau de bord, donc c'est ça. Et c'est le système donc qui avant que l'ILS n'existe comme on le connaît aujourd'hui permettait de faire des ILS. Redwing veut le faire fonctionner pour qu'on puisse s'amuser à faire des ILS un peu à l'ancienne. Ensuite derrière on a le Gyrosync Compass, donc en fait c'est le système qui permet d'avoir en permanence un asservissement de la vanne de flux, enfin du geste du conservateur de cap pardon, à la vanne de flux. Donc il y a un amplificateur qui permet donc d'envoyer en permanence le cap magnétique terrestre au conservateur de cap que l'on trouve ici. Et ça va permettre donc d'avoir tout le temps le nord vrai. Si on a une panne, on passe en free. Là on voit que l'amplificateur tombe. Et à ce moment là c'est nous qui allons piloter le système. On va utiliser le compas secours qu'on trouve là, qui est rien d'autre qu'une boussole hein, pour recaler régulièrement ou après les virages le conservateur de cap que l'on trouve ici, parce que lui il va dériver. Donc on va utiliser increase ou decrease pour remettre le cap réel auquel on est. Donc en temps normal, bien évidemment, on est sur Slaved et le système est géré automatiquement par la vanne de flux. Ensuite, ici, toutes les lumières qui se trouvent sur la gauche du pilote. Donc ça fera part d'un tuto à part entière, mais bon là on a donc l'éclairage des leading edge, les nav lights, les position lights, les lumières de nez, la chart qui est la petite lampe qu'on trouve ici. Et le panel qui permet d'éclairer le panel du pilote, le panneau à l'avant du pilote. Donc ça c'est la gestion de l'intensité de la lumière panel, l'intensité de la lumière chart, l'overhead qui est au-dessus de ma tête, la center qui permet d'éclairer le panneau central, et la cabine pour les passagers. Le petit ding-dong de l'hôtesse, donc bon, qui sert à rien mais évidemment dans le jeu, mais si ce n'est à se faire plaisir. Bien que Redwing prépare une surprise, peut-être s'il y arrive. A droite, le boîtier de mélange, donc toutes les radios. Et VHF, les UHF, bien sûr, non fonctionnels dans le jeu. Et en dessous, donc c'est l'oxygène et les dégivrages. Donc à gauche, là, les dégivrages, on voit pas la pression, mais de toute façon, pour l'instant, c'est pas fonctionnel. Mais ça sera dans une version ultérieure. Redwing prépare une petite surprise. Et à droite, on a les dégivrages. Donc là, c'est la gestion du dégivrage pneumatique des bords d'attaque. Donc sur cet avion, il y a de l'électrique, du pneumatique et aussi du glycol. Donc là c'est les boards d'attaque de chaque aile, donc pour dégivrer avec du prélèvement d'air. Et les trois boutons blancs qu'on voit là, c'est le dégivrage des pare-brises de l'avion. Et donc maintenant on va regarder les instruments qui se trouvent en face du pilote en position gauche dans l'avion. Donc en bas à gauche on va trouver le volant qu'on peut déplier pour esthétique. Il tourne lorsqu'on fait tourner l'avion au sol. Ensuite, tout en bas à gauche du panneau, on trouve la quantité de glycol encore présente dans les réservoirs pour les systèmes de dégivrage qui utilisent le liquide. Ensuite, la suction, donc le système de dépression qui va faire de la dépression d'air pour les systèmes gyroscopiques de l'avion.
Au-dessus, on va trouver la radiosonde avec les trois voyants, donc ici la radiosonde, et le voyant, donc le blanc, si on passe une altitude, une hauteur inférieure à 2000 pieds, là une hauteur inférieure à 1000 pieds, et le rouge, une hauteur inférieure à 500 pieds. Au-dessus, les trois voyants qu'on peut tester, donc ils sont des voyants d'outer, outer marker le bleu, middle marker le ambre, inner marker le blanc, qui correspondaient avant à des balises que l'on trouve dans les percées IFR, notamment les ILS, ils disparaissent sauf l'outer marker, celui-ci qui est de temps en temps encore présent. Ici, l'anémomètre, l'altimètre, les systèmes pour faire les VOR et les ILS, le conservateur de cap, l'horizon artificiel, le variomètre, et ensuite on va avoir un RMI et un ADF au-dessus qui vont permettre d'utiliser le système de navigation. Tout en haut, on va avoir donc l'horloge à cet endroit et le chronomètre qui pour l'instant ne fonctionne pas. Au-dessus, on a un voyant d'embrayage de pilote automatique et GlidePass Localizer, les deux voyants qui montrent que le pilote est bien embrayé sur les systèmes Lock et Glide. Ça, on en a déjà parlé, je ne reviens pas dessus. L'indicateur de virage et de glissade. Et à droite, donc des systèmes un peu plus complexes qui pour l'instant ne fonctionnent pas, mais ils comptent bien les faire fonctionner. Donc instruments statiques, donc qu'on a en dessous et au-dessus. Donc ça, tout l'avion est alimenté en courant continu. Et en fait, en cas de panne des systèmes, on peut soit passer sur un convertisseur d'urgence ou un convertisseur droit. Et en dessous, donc le statique. Donc ça, c'est si les statiques sont bouchées, ben, on peut forcer soit le numéro 1, soit le numéro 2. Et donc maintenant, on va passer à la console centrale. Donc le Zero Reader, ancêtre d'ILS. Il faut voir que les boutons fonctionnent. En revanche, le système, lui, ne fonctionne pas encore dans le jeu. C'est prévu qu'il marche un jour et qu'on puisse l'utiliser. À ce moment-là, je ferai un tuto pour expliquer comment l'utiliser, car ça reste très abstrait. Le bouton de sélection de la priorité du pilote automatique. Donc, à gauche, le pilote de gauche. À droite, le pilote de droite. Et c'est les instruments, en gros, que va suivre en priorité le PA. Ça, c'est pour sélectionner quel type d'instrument on veut que le PA suive. Donc, ILS ou VOR. Et si on bascule le bouton vers le bas, on lui demande de suivre un ADF. Le 2 étant marqué inopérant car dans Flight Simulator, les ADF 2 ne sont pas pris en compte, donc ils ne peuvent pas le modéliser. Le Magnetic Reading, qui est l'ancêtre de l'écran à gauche, là, qui permettait de savoir si on était en rapprochement, en éloignement, et le radial par rapport à une balise. Donc bien sûr, ça ne fonctionne plus. Ici, le voyant de feu, donc si un des 4 moteurs était en feu, ce voyant s'allume. Là, les cadrans de pression et admission, donc moteur 1 et 2 et moteur 3 et 4. Et à droite, les tachymètres, donc les tours, minutes et 10. Donc moteur 1 et 2 à gauche et 3 et 4 à droite. En dessous, le cadran des trims, donc les 3 trims, trim lacé, trim gauchissement en dessous et trim tangage. La barre, la grande barre blanche que vous voyez, se déplace en fonction de la position du trim. Et pour être au neutre, il faut qu'elle soit entre les deux points blancs. Ici, l'outside air temperature, donc la température extérieure, qui permet de savoir si on approche des conditions girantes et de faire les perfos en croisière. Et ici, la position des volets. Donc là, on reconnaît en take-off, et donc on a up, take-off, approach et landing. Ici, les voyants du train, donc trois vertes, train sorti, verrouillé. Et en dessous, on a deux voyants rouges. Donc le voyant de gauche, c'est que le train est en mouvement et que les portes sont encore en mouvement, enfin ouvertes quoi. Et le voyant de droite, c'est qu'il y a un problème sur le train. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc soit on a le voyant rouge, soit on a une des lumières qui est éteinte. Donc principal gauche, le centre et enfin, l'année quoi, et principal droit. Si une lumière est éteinte, bah, c'est que le train associé n'est pas sorti. Ensuite on va passer aux manettes qui sont en dessous. Enfin on a d'abord les voyants, j'ai perdu la souris, désolé, les voyants des hélices, c'est de reverse, pas. Donc ça c'est si les voyants comme quoi les hélices passent en reverse. Si un des voyants ne s'allume pas, c'est que bah, y a un des moteurs dont la reverse ne passe pas. Donc là, bah, il faut surtout pas passer en reverse, c'est un coup à générer une grosse dissymétrie sur l'avion et à faire une sortie de piste. Ensuite, dessous, on a la molette du trim, la molette mécanique du trim, parce que c'est un trim électrique en tangage, et on peut aussi utiliser le mécanique. Donc ça, c'est les boosters. Donc il faut savoir que sur cet avion, les commandes de vol sont hydrauliques. Le circuit hydraulique est assez complexe. Grossièrement, c'est le circuit 1 qui gère les commandes de vol. Et s'il tombe en panne, il est suppléé par le circuit 2. Et si on n'a plus d'hydraulique, bah, il faut passer en manuel via des câbles. Et pour passer en manuel,
et on va déconnecter ces fameuses manettes de booster. Pour ça on va les basculer en arrière, donc là c'est rebouchissement et lacet, et en dessous on a, j'ai encore perdu la souris, en dessous on a le tangage. Donc en fait ça veut dire qu'on déconnecte tout ça, et là après on pilote par des câbles à la force des bras. C'est à dire qu'on a à peu près plus que 30% de débattement des courants de vol. Ensuite là on a les manettes de gaz, donc les modes 1, 2, 3 et 4. Et le rouge au-dessus c'est les reverse. Donc là hop, vous voyez j'ai la lumière qui s'allume et j'ai basculé mon moteur 4 en reverse. Et le petit, la petite manette rouge à droite, c'est la manette qui bloque la reverse si le train n'est pas au sol. Si les trois trains sont au sol, je peux passer le reverse sans souci. Si j'ai juste les deux trains principaux au sol, bah, je peux pas passer la reverse normalement. Et si je bascule cette manette en avant, ça me permet quand même de passer la reverse. Voilà. Et dès que je reviens en plage taxi, bah, hop, elle rebascule automatiquement en arrière. Ici c'est pour déconnecter le trim électrique. Donc de base sur le manche vous avez un chapeau chinois qui permet de trimer en tangage électriquement. Si il venait à dérouler ou qu'il ne fonctionne plus, on le désactive en poussant la manette et on pilote, on trim avec la manette, la molette. Ici c'est pour contrôler le pas de l'hélice. Donc sur cet avion on contrôle le pas de une hélice sur les 4 moteurs. Et en fait, donc moteur 1, hélice 1 ou 2 qu'on sélectionne derrière, et ensuite les autres se synchronisent. Et ici c'est la manette des volets, donc ça permet de sélectionner quelle position de volet on veut. En dessous on a les essuie-glaces qui fonctionnent, et à droite, donc flight pass, c'est pour le pilote automatique, ça va demander de suivre soit le localizer, soit un localizer plus un glide. Je ferai un tuto à part entière sur le PA je pense. Ici un petit reminder des différentes vitesses de l'avion. Et ensuite, en dessous, sur le pédestal, donc on va retrouver différents éléments, dont les deux autres trims mécaniques. Donc on a le trim en gauchissement pendant en bas, et le trim en lacet au-dessus. Et à droite, le PA. Donc là, le pilote automatique. Donc avec ce petit bouton, cage, pendant 2 minutes, on va attendre, et ça va lancer les gyroscopes du pilote automatique. Au bout de 2 minutes, quand le système est lancé, on arme en poussant cette petite manette à droite. Une fois que ça s'est poussé, le pilote automatique est armé, donc il fonctionne, et on va l'utiliser avec les systèmes au-dessus. Donc là ça permet de le mettre en fonction, ce bouton, et là, et au sol je peux pas le faire, ça permet de contrôler l'altitude. Donc il n'y a pas de capture d'altitude sur cet avion, c'est juste on le met à une altitude, on lance ça et il maintient son altitude. Et ensuite pour le piloter on va utiliser cette molette qui permet de monter et de descendre. De mémoire, le premier cran c'est une descente à 500 pieds par minute, et ce cran là, et le deuxième cran 1000 pieds par minute, montée ou descente. Et ensuite le turn qui permet de prendre une inclinaison. Donc pareil, il y a deux inclinaisons que je connais pas de tête. Il n'y a pas de capture de cap. C'est un peu tout ouvert. La manette en dessous, là c'est le train, donc il y a trois positions, up, neutre et down. Ils ont modélisé que up et down. Ici l'emergency brake, donc ça fonctionne pas encore, ça permet de passer en fait les freins sur les pressions secours. Et ici les axes du pilote automatique, donc s'il y a un problème, on peut déconnecter un des axes grâce à ces trois manettes. Et sur le côté du pédestal, donc ici on a le fameux booster en tangage, et ici c'est le front park. Voilà. Aussi de ce côté là, j'ai encore perdu la souris. Voilà. Et donc le front park on le retrouve aussi de ce côté là, mais visiblement le bouton ne semble pas fonctionner. Purée de souris que j'ai fait que perdre, désolé. Et donc maintenant on va regarder au dessus. Et donc là on a tous les boîtiers radio, donc enfin ADF radio et boîtier VOR. Donc je vais les allumer. Donc en haut on a le boîtier ADF, l'ADF2 étant inopérant dans le jeu. Ici on a le deuxième boîtier VHF2 et ici le VOR2. Voilà, les deux VOR, les deux VHF et les deux ADF. Au dessus les feux d'atterrissage qui sont sous les ailes, c'est des lampes qui sortent des ailes, donc en fait ça permet soit de les sortir, soit de les rentrer, et ça pour les allumer. À droite c'est les fameux no smoking et ceintures qu'on trouve dans les avions de ligne.
Et ça, c'est le auxiliary control booster. Donc les commandes de vol sont hydrauliques, comme je disais. Mais en cas de souci avec l'hydraulique, on peut déjà, avant de passer sur les câbles, utiliser un système électrique qui va commander les servo-commandes sur le tangage et sur le lacet. L'aileron reste via les câbles. Et en fait, on a soit on, soit emergency on. Donc sur on, c'est les génératrices des moteurs qui vont fournir l'électricité. Et sur emergency on, ça va être prélevé directement sur la batterie. On verra ça plus en détail dans un autre tuto. Au-dessus, on a les magnétos. Donc les magnétos, c'est ni plus ni moins que l'alimentation des bougies sur chaque moteur. Donc en fait, bon, on a 4 moteurs à piston. On a 2 rampes de magnétos par moteur. Donc on a R pour right, L pour left. Et en boss, c'est les 2 rampes. Donc sur une rampe, on a une perte de puissance. Mais s'il y en a une qui est défectueuse, on va pouvoir utiliser qu'une seule pour éviter que la défectueuse ne mette le feu au moteur. À droite, un interrupteur pour régler la lumière. Et au-dessus, on a donc le panneau supérieur avec les 4 manettes que j'appelle les cut-off, qui en fait servent à pouvoir éteindre ou allumer le moteur, mais avant aussi avoir des positions intermédiaires que je vais expliquer. Donc vous voyez qu'il y a 4 positions et 4 manettes, une par moteur. Donc hop, on met les 4 manettes sur la position basse all on, donc c'est-à-dire que tous les fluides circulent dans le moteur. Et ensuite, si je passe par exemple sur l'avant-dernière position, sur le moteur 1, c'est-à-dire que là mon moteur 1 ne fournit plus d'hydraulique. Et il n'y a plus d'hydraulique qui passe par le moteur. Ensuite, si je passe sur la position au-dessus, là c'est-à-dire que non seulement j'ai plus d'hydraulique, mais en plus je n'ai plus de prélèvement d'air et plus de carburant. Et là je coupe aussi la circulation d'huile. Voilà, et sur chaque moteur, donc 1, 2, 3, 4. Et les 2 manettes rouges servent à larguer le carburant. Donc des réservoirs 1, 2 à gauche et 3, 4 à droite. Sachant que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et maintenant, on va passer à la place du pilote à droite. Donc ce sera beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup d'éléments qu'on va retrouver, qu'on a déjà vu à gauche. Donc en haut à gauche, là vous avez donc l'horloge tout simplement. Et à droite de cette horloge, vous avez un voyant avec un bouton test. Donc si vous appuyez sur test, le voyant s'allume. En fait, ce système, vous voyez qu'il est écrit Wing Flap Shut Off. C'est tout simplement que si les volets sortent de façon dissymétrique, hein, par exemple un volet sort et l'autre ne sort pas, donc il y a un problème au niveau du moteur des volets, bah, ça va bloquer les volets pour éviter qu'un volet ne sorte et pas l'autre, et ainsi engendrer une très forte dissymétrie sur l'avion et le rendre quasiment impilotable. Et donc en cas de panne, ce voyant s'allume, tout simplement. En dessous, l'anémomètre, donc classique, le même qu'à gauche. En dessous, l'ALTI, le conservateur de cap, le HSI pour les ILS, l'horizon secours. En dessous, le variomètre, et à droite, on va trouver donc le ADF avec les RMI. Même qu'à gauche. Là, on va avoir les 3 voyants pour les balises outer marker, middle marker, inner marker. La bille et l'aiguille pour la symétrie du vol. À droite, on retrouve l'interrupteur pour sélectionner le normal en statique ou alors numéro 2 et numéro 1. Sachant qu'à droite, c'est le 2 et à gauche, c'est le 1. Là, on a les voyants de l'hydraulique. Donc, ces voyants s'allument en cas de panne de génération hydraulique sur un des moteurs. Donc, moteur 1, 2, 3 et 4. Donc, circuit 1, circuit 2. Et en dessous, on a la pression hydraulique avec l'aiguille à gauche qui donne la pression du circuit 1 et l'aiguille à droite qui donne la pression du circuit 2. Là, on va avoir encore la quantité de glycol présente dans les réservoirs de l'avion pour le dégivrage. Et là, la dépression, donc générée, comme je l'ai dit, à gauche pour les systèmes qui ont besoin d'un système de dépressionnaire pour fonctionner. Donc c'est le même qu'à gauche. Et ici la parking brake, donc il fonctionne pas à droite pour l'instant, ce sera sans doute corrigé plus tard. Et en dessous, là on va retrouver un grand levier avec une position à deux, une manette pardon, à deux positions. Donc vous voyez que là il y a écrit frein secours et train secours. Donc si je bascule cette manette en avant, là quand je tire, j'utilise le réservoir secours hydraulique pour freiner en secours au sol. Et si je le bascule vers l'arrière comme là, là je vais pouvoir sortir le train en secours. C'est-à-dire que si j'ai plus d'hydraulique 2, je peux plus sortir le train. Donc je vais devoir utiliser cette manette et l'accumulateur secours pour sortir le train. Donc c'est à peu près de mémoire 345 mouvements et 3 minutes. Donc il faut anticiper quand même. Et à droite, on a un petit boîtier où on va retrouver des éléments similaires à la place gauche, donc comme les lumières. Par contre, ici, on va avoir les réchauffages des pitots, pitot gauche et pitot droit. Le blower, qui est un truc qui pulse de l'air chaud au niveau du pare-brise. Et le mass de-icer, qui est du dégivrage au niveau des pieds d'antennes HF, parce que les antennes HF qui vibrent bougent énormément. En dessous, les loupiottes. Et là, les boîtiers de mélange qui, bien sûr, ne fonctionnent pas. Et au-dessus, dans la
non fonctionnel pour l'instant, comme je vous l'ai déjà dit, l'oxygène, donc la répétition sur la place droite. Donc voilà pour la place droite, maintenant on va attaquer l'ingénieur, beaucoup plus costaud. Et donc maintenant on va passer au poste de l'ingénieur, donc le mécanicien navigant, qui est à l'arrière. Poste complexe, très utile, enfin essentiel même à l'emploi de l'avion. On va pas le voir dans tous les détails, on va commencer par le MJB numéro 1 et numéro 2 à gauche. Donc le voltmètre pour le courant continu, avec son cadran associé qui se trouve lui à droite. Bizarrerie de conception de l'avion, c'était comme ça, pourquoi je sais pas, mais c'est bizarre. Et ensuite le voltmètre donc de courant continu avec son écran lui qui est à gauche. Par exemple là, ma batterie sur marche, si je mets batterie au sélecteur, bah, vous voyez que j'ai la tension actuelle de ma batterie qui s'affiche. Là le voyant du Grand Power Unit, c'est-à-dire le groupe de parc, donc s'il est sur vert, ça veut dire que le groupe est prêt, branché et prêt, mais pas forcément qu'il délivre. Ici, les 4 génératrices de l'avion, donc là elles délivrent. Si je les coupe, vous voyez que les aiguilles tombent. Génératrice, c'est quoi? C'est un peu comme un alternateur de bagnole, sauf que là ça va fournir du courant continu à l'avion. Et il y en a 4, donc une par moteur. Donc il y a tous les voyants associés. Ils sont éteints lorsque les génératrices délivrent de l'électricité. Si je coupe la gênée, hop, il s'allume. Donc voyant allumé, gêné qui ne fonctionne pas. Enfin, qui ne délivre pas d'électricité. Associé à ça, on va trouver un panneau avec 4 interrupteurs. Ces interrupteurs, en gros, si j'ai une génératrice qui a un problème, et que quand j'utilise l'interrupteur standard, cela, ça ne s'éteint pas, c'est peut-être que le circuit est charbonné, qu'il a cramé, quoi, donc l'interrupteur est bloqué en position on, bah, je vais utiliser ces interrupteurs-là, qui eux, ont une action sur un breaker, donc un disjoncteur mécanique, qui va me permettre de couper le circuit mécaniquement pour éviter un incendie. Et en dessous, les 4 lumières de surchauffe des génératrices. Donc si ça s'allume, bah, faut couper la génératrice associée, puisqu'il y a un risque d'incendie. Ici, on va trouver les interrupteurs qui permettent d'alimenter tous les instruments qui ont besoin d'électricité, sauf ceux qui sont montés directement sur la batterie en circuit chaud pour le secours. Les radios, et le circuit pour le système de dégivrage électrique. À droite, on trouve l'interrupteur pour le plafonnier, la lumière du plafonnier de l'avion. Et pour passer en lumière blanche ou en lumière rouge associée à cet interrupteur. En dessous, les dégivrages des hélices, donc électriques pour le coup, avec des petits interrupteurs qui permettent de sélectionner l'intensité. Et en dessous, on va avoir donc le voyant du starter avec le starter et l'interrupteur des starters. Donc il y a 4 moteurs, 1, 2, 3, 4, et la position off quand on n'utilise rien. Si par exemple je mets le 2, vous voyez que là bah, il est prêt, il est rouge. Et si j'appuie sur start, ça va lancer le démarreur de l'avion, enfin du moteur associé, pardon. Et prime, c'est la pompe de gavage, tout simplement. Ensuite, ici, on a 4 voyants. Donc, fuselage relay closed and nacelle relay closed. En gros, si y a 2 circuits électriques dans l'avion, dans le fuselage et dans la nacelle, on peut les couper. Je vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. Mais en gros, ces voyants s'allument s'ils sont coupés. Et ensuite, donc, le carburateur anti-ice, donc le moteur en 2-3-4 pour les réchauffages carburateurs des 4 moteurs. Donc maintenant on va passer sur le panneau où il y a les paramètres moteurs. Donc en haut à gauche l'inclinomètre qui servait à savoir l'inclinaison de l'avion, je ne sais pas pourquoi il avait ça derrière. En dessous deux cadrans de fuel flow, donc les débits carburants, 1, 2, 3, 4. Les deux cadrans pour les températures de tête de cylindre, donc moteur 1, moteur 2, moteur 3, moteur 4, avec deux circuits. Avec donc un secours et un normal pour vérifier les températures. En dessous, les positions des volets du moteur, donc moteur 1, moteur 2, moteur 3, moteur 4, qui servaient à refroidir le moteur ou à l'empêcher de refroidir en fonction de la température. Les voyants qui indiquent qu'une des portes de l'avion est ouverte. Les RPM des hélices, donc les tours minutes en centaines de tours, donc moteur 1, 2 à gauche et 3, 4 à droite. Le Master Fire Warning, donc si un moteur est en feu. La pression d'admission à manifold, donc c'est la pression avec laquelle il aspire le carburant, donc 1, 2, 3, 4. Et dessous le torque, donc c'est le couple, donc c'est pas vraiment un torque, c'est un calcul savant qui va permettre de savoir si on abîme ou pas le moteur, donc 1, 2 à
à gauche et 3-4 à droite. Ça permet de piloter son moteur en lui demandant un effort qui ne va pas l'user prématurément et donc peut-être le perdre en vrai. Ici les 4 voyants des circuits hydrauliques par moteur, donc 1, 2, 3, 4 comme on l'a vu devant le pilote à droite. Et en dessous la pression hydraulique, donc le circuit 1 à gauche et le circuit 2 à droite. En dessous les quantités d'hydraulique dans les réservoirs, donc sur le circuit principal et le circuit secondaire. En dessous, si la synchronisation n'est pas bonne, ça tourne. En gros, il y a un moteur qui émet, les autres se synchronisent dessus, et en fonction de comment ça tourne, il faut ralentir ou accélérer les autres hélices. Mais il y a tout de même une synchronisation automatique qui existe, et qui là fonctionne bien, puisque tous les moteurs sont synchrones. En dessous, c'est la température d'eau des superchargeurs, on verra ça en temps et en heure. Là, la température d'huile sur les moteurs 1, 2, 3 et 4. En dessous, on a la pression de l'huile sur les temps moteur 1, 2, 3, 4 avec les 4 voyants associés en cas de chute de pression d'huile. En dessous, la pression au carburant pour les pareils, les moteurs 1, 2, 3 et 4 avec les voyants associés en cas de perte de, enfin de chute de la pression de carburant. Maintenant, on va voir le bas du panneau du mécanicien navigant. Vous voyez qu'il y a plein de manettes qui s'étale de gauche à droite. Donc à gauche c'est la manette de gestion du pas de l'hélice, là les 4 puissances des moteurs. Ici les superchargeurs, on va pas s'éterniser dessus, mais en gros c'est un système qui injecte de l'eau dans les moteurs et qui permet d'avoir une puissance supplémentaire. Ensuite les 4 manettes de richesse et à droite les manettes des réservoirs carburant pour ouvrir ou fermer. Donc on les voit pas, voilà, si je tire la manette 1, donc on a réservoir 1, 2 et 2A, 3, 3A et 4. Donc cette manette par exemple il n'y a qu'une position, alors que 2A il y a une position intermédiaire puisqu'il y a en fait deux réservoirs associés à ces manettes là. Ici les volets pour les refroidissements des carburateurs, ici les volets du capot moteur, donc c'était associé aux jauges qu'on voyait avant, là vous voyez juste au dessus ici, si je bouge le volet 1, hop, vous voyez que le capot moteur 1 s'ouvre, bon, c'est pour refroidir le moteur. Ici le système de refroidissement d'huile. Au-dessus, ça sert à retarder ou pas l'allumage des bougies. On verra ça plus tard avec les paramètres moteurs. Ici, c'est pour le moteur maître de synchronisation. Donc de base, c'est le 1. On peut le passer sur le 2. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais on peut sélectionner quel est le moteur maître. Et ensuite, quand on appuie sur Push to 5, normalement, ça synchronise les hélices. Donc là, on voit que le 3 et le 4 ne sont pas synchronisés. Pourquoi, je ne sais pas, j'ai tripoté quelque chose. Et après, les 4 boutons ici servent à manuellement augmenter ou réduire le pas des hélices de moteur 1, 2, 3, 4 pour le synchroniser sur les autres. Et en dessous, ces voyants, ça sert à mettre en drapeau ou enlever le drapeau. Vous voyez qu'il y a push phaser, pull and phaser. Donc appuyer, c'est mettre en drapeau, et tirer, enlever le drapeau, si on doit rallumer un moteur par exemple. Et à droite, là, c'est les pompes carburant. Donc vous voyez qu'il y a les moteurs 1, 2, 3 et 4 avec les pompes associées. Donc on peut les mettre en low ou en high. Et en dessous, il y a des pompes là qui fonctionnent pas et je sais pas à quoi elles servent dans la réalité. Là, sur la tablette, ils ont rajouté quelque chose de super sympa. C'est qu'ils ont mis toutes les performances pour la montée, la descente, les croisières, toutes les perfos de croisière en fonction de la tempête, l'altitude, le couple qu'il vous faut, la mixture, tout ça. Ici, c'est un écran qui fonctionnera dans une version ultérieure et qui est piloté par ces petits interrupteurs là que vous retrouvez dans la doc, il y en a une explication, mais pour l'instant ça fonctionne pas. En fonction de ce que vous voulez sélectionner, sur l'écran ça va afficher des courbes qui vous permettent de savoir en gros l'état de votre moteur, enfin plein d'éléments variés que vous sélectionnez, donc ça fonctionnera plus tard. Pour le moment je ne sais pas même moi comment ça fonctionne. Et ça c'est l'intercom carburant, en gros le crossfit, donc c'est pour l'alimentation croisée, pour alimenter les réservoirs, les moteurs avec différents réservoirs ou transférer du carburant. Et donc on va finir avec la partie supérieure du tableau du mécanicien navigant. Donc ici tous les réservoirs, donc le 2A qui est l'extrême gauche, le 1, le 2, le 5 qui est le central, le 3, le 4 et le 3A qui est l'extrême droite. Ici l'altimètre, ensuite l'anémomètre. En dessous, la température des carburateurs de moteur 1, 2, 3 et 4. L'horloge, la température extérieure, la quantité totale de carburant, donc de total de tous les réservoirs, la quantité totale d'huile, donc, et la quantité donc, des réservoirs 1, 2, 3 et 4 d'huile qui est reportée au-dessus.
si on fait la somme. Ensuite, ici, c'est la quantité de liquide de refroidissement qui va servir à refroidir l'huile. Et donc ici, on voit la température d'huile avec la position, enfin pardon, la position des volets de refroidissement de l'huile. Et en dessous, on a la température d'huile, donc des moteurs 1, 2, 3 et 4. Alors, vous remarquez qu'elle est aussi en dessous, ici. Donc il y a oil inlet, donc ici c'est à l'entrée du moteur, et oil outlet, c'est à la sortie du moteur. Donc voilà, on a un suivi des températures d'huile à l'entrée et à la sortie. Au-dessus, on va avoir l'armement de la mise en drapeau automatique et les 4 interrupteurs pour tester la mise en drapeau automatique sur chaque moteur au sol. Ici, un interrupteur de l'interphone sans objet, et 3 boutons qui permettent de régler la luminosité de l'avion, on verra ça plus en détail. Ici des boutons voilà, pour s'amuser, pour rappeler des PNC dans l'avion. Ces boutons qui ne fonctionnent pas là servent à couper l'alimentation des bougies si on a un problème. Et au-dessus, les 4 interrupteurs, eux, ils servent par moteur, si on se pose et qu'on prévoit de démarrer par temps froid, à mélanger de l'huile et du carburant dans le moteur en prévision du démarrage du lendemain. Et maintenant on va voir donc le panneau qui est tout à l'arrière de l'avion, à droite du mécanicien navigant. Donc ici on va gérer tout ce qui est incendie, transfert d'huile et pressu. Donc pour l'incendie, là vous voyez qu'il y a les 4 voyants des moteurs qui s'allument en cas d'incendie. Avec la manette du milieu, on sélectionne le moteur associé et ensuite on percute ici l'extincteur. Donc, pour l'instant ça ne fonctionne pas. Ici le système de transfert d'huile entre les différents réservoirs d'huile de l'avion. Qui fonctionne pas pour l'instant. À droite, le système de détection à incendie, donc je rentrerai en détail le jour où il fonctionnera. Là, c'est la petite boîte où il y a toutes les lampes de rechange de l'avion, donc c'est gadget, hein, c'est pour faire joli. Et en dessous, qui fonctionnera pareil dans une version ultérieure, tout le système de pressurisation, donc qui fera part, je pense, d'un tuto à part entière, parce que c'est assez complexe, et ils veulent faire un super truc Red Wing, si on gère mal la pressure, ça va être très drôle. À gauche, ce qu'on peut voir, c'est la porte. Si j'ouvre la poignée, là, bah, hop, j'ouvre ma porte. Et donc, je peux sortir de mon avion. Et là, vous voyez qu'à gauche, bah, j'ai les protections qu'on enlève avant de partir. Donc, les deux pitots et la flamme de la SVTB, la sécurité de verrouillage train bas, qu'il faut enlever avant de partir. Sans quoi, ça risque de générer des pannes. Et après, si j'attrape ma poignée, hop, je referme ma porte. Et voilà, on peut partir. Donc voilà, ce qu'on peut voir encore, c'est ça. Ici, il y a une petite trappe qui permet de gérer le dump. On verra ça en détail une autre fois. Et ici, bah, j'ai déjà joué avec. Cette petite trappe, normalement, est fermée. Et quand on tire ces deux poignées, ça éjecte des canaux de sauvetage qui sont sur le parking, puisque je suis sur la piste. Enfin, sur la piste, quoi. Donc voilà, bah, oui, parce que cet avion peut amerrir, c'est super. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir si j'ai la réponse. Et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Bon vol et bonne journée.